Comme chaque année, la société britannique de conseil Henley & Partner a publié son classement des passeports les plus puissants du monde. Voici les 5 choses à retenir sur les passeports de la Caraïbe. La France rejoint en 2024 la première place des passeports les plus puissants au monde. Les ressortissants des Antilles françaises et de la Guyane bénéficient de la possibilité de visiter 194 destinations sans nécessité de visa. La Barbade est le pays des Caraïbes qui a le plus puissant passeport de la Caraïbe. Il se positionne au 22e rang mondial avec un accès sans visa à 161 pays. 5 pays de la Caraïbe ont un passeport qui donne l'accès à pas moins de 140 pays sans nécessité de visa. Saint-Kitts, Sainte-Lucie, Antigua, Dominique et la Grenade font partie de ces passeports populaires et très prisés. Ils proposent un programme de citoyenneté à des étrangers en contrepartie d'un investissement dans le pays. Le prix des passeports varie entre 100 000 $ et 250 000 $. Haïti est le passeport le plus faible de la région Caraïbe. Il se positionne au 87e rang mondial avec un accès sans visa à 55 pays. Les détenteurs d'un passeport haïtien peuvent voyager sans visa dans 16 pays. La Grenade est le seul pays de la Caraïbe a autorisé un voyage sans visa aux Haïtiens. Disposant du passeport CARICOM, autorisant les 15 États membres de la communauté des Caraïbes à voyager et à s'établir librement. Le passeport haïtien reste limité dans la libre circulation de leurs citoyens dans l'ensemble des pays membres de la CARICOM.